avec une très très grande fierté. Et voilà, un immense plaisir, parce que les Babas, c'est quand même quelque chose de très, enfin, d'historique. Et moi qui suis, enfin, depuis tout petit, c'est quelque chose qui m'a tout le temps fait rêver. L'état d'esprit et voilà, tous les grands joueurs qui sont passés, Rives, Charvet, que des grands joueurs. Et c'est surtout le maillot, moi, qui me faisait rigoler à l'époque. Cette espèce de maillot avec le col blanc en coton à l'ancienne. Et voilà, j'ai pas de souvenir particulier, mais voilà, c'est surtout ce que ça représente qui fait rêver, quoi. L'état d'esprit, voilà, l'esprit des Babas, cet esprit un peu festif, ce rugby champagne. En plus, c'est à Chaban-Delmas. La dernière fois que j'ai joué là-bas, c'était un très très bon souvenir. Peut-être le meilleur souvenir de ma carrière. C'était la finale de Pro D2 avec Brive. Et là, je vais y retourner pour j'espère, être un des plus beaux souvenirs de ma carrière aussi. Donc, et surtout contre l'Australie, voilà, c'est qui est une grosse nation du rugby. Donc, hâte d'y être. Bah, moi qui n'ai jamais joué de match de niveau international, c'est énormissime. Après, voilà, il y a les 3 jours qui vont précéder le match qui vont être un peu durs, mais j'espère être à la hauteur, du maillot et de faire honneur aux Babas. Voilà, le fait de se retrouver autour de quelques repas et quelques apéros, ça va souder le groupe. Et le fait de rentrer sur le terrain en ayant fait peut-être 2-3 entraînements, le fait de ne pas se poser de questions, je pense que justement c'est ça qui fera la force du groupe, j'espère. Vu qu'on va jouer entre 2 tests de l'Australie et qu'on jouera ceux qui n'auront pas eu trop de temps de jeu, voilà, après, impossible n'est pas français. Donc j'espère qu'on les battra. Ouais. Voilà, Castres, comme je l'ai dit plein de fois, on est un peu comme Brive, on est un peu les derniers clubs de Gaulois, un peu à l'ancienne, ce petit rugby de village. Et je pense que c'est une grande fierté pour le club et pour la ville d'avoir des joueurs chez les Babas. Ouais, je pense qu'il n'en a pas besoin, mais s'il faut le prendre sous mon aile, j'hésiterai pas une seconde. Ouais, pour l'apéro. Ouais, un petit peu. Mais ouais, ça fait partie du truc, mais voilà, ça reste un état d'esprit, ce rugby à l'ancienne, voilà, qui fait plaisir, quoi. Bah, je pense que tous les joueurs qui vont être sélectionnés, on aura hâte, on aura surtout envie de faire honneur, aux Babas. Et voilà, puisque tu me dis que ce match dépend de la suite, et ben j'espère qu'on sera à la hauteur et qu'on gagnera le match et qu'on proposera un beau spectacle aux spectateurs. Bah, je vous donne rendez-vous le 24 novembre au stade Chaban-Delmas et je peux vous garantir qu'il y aura du spectacle. Venez nombreux.